sucré. Bonsoir, chers téléspectateurs. Soyez pas étonnés ce soir pour me dire, mais quoi? D'habitude, la seule, elle invite les gens, elle est avec quelqu'un, mais aujourd'hui, elle est seule de temps en temps. Souvent, je peux être seule pour vous donner aussi des conseils. Est-ce que vous voyez? Dans le monde, là, quand tu es dans le monde, il faut quand même comprendre tout, il faut tout expliquer aussi. Aujourd'hui, je dois parler de mes filles. Si tu es mariée, ma fille, il faut te dire Dieu merci. Mais dis-toi que ton mari que tu as épousé, là, lui aussi, il a eu les amis d'enfance. Est-ce que tu as vu? Quand tu es dans le foyer, c'est toi, je dis, qui est la maman pour le monsieur, tu es tout pour lui. Mais tu ne veux même pas qu'il. Ses amis, tu dis qu'il ne faut même pas qu'il va causer avec ses amis. Pourtant, ils ont commencé depuis qu'ils étaient au CP1. Hein. C'était les amis de longue date. Donc, si aujourd'hui, toi, tu es là, la meilleure solution, il faut recevoir tout le monde. Mais il ne faut pas les voir, puis serrer le visage. Oui, quand j'ai connu mon gars là, il n'était pas comme ça. Avant là, maintenant, maintenant depuis qu'il t'a connu là, il n'est plus ça. Il faut laisser les amis là. Ils ne sont plus des amis, ils sont des frères. Le service, même l'ami même qui est dehors, rend ton mari, toi-même, tu ne sais pas. Les deux se connaissent. Et encore, quand il arrive, la première des choses que je peux te donner comme conseil, quand l'ami de ton mari, la première des choses, tu ouvres le placard, la nourriture. Il faut manger, ton frère n'est pas encore arrivé. Il faut manger, il va venir te trouver. C'est bon. Mais tu es là, quand tu es là, l'ami est gêné. Il dit, ah vraiment, il faut faire un pas, tu vas m'accompagner. Laisse l'ami aussi, lui aussi, il a une maison comme chez toi ici. Mais quitte là, parce que c'est son frère, ils causent ensemble. Et encore, de grâce, l'ami de ton mari, là, c'est pas ton ami. Quand il y a une petite discussion, tu vas aller lui expliquer tout. On ne t'a pas envoyé pour ça. Il est ami de ton mari, pas toi ton ami, hein. Il y a un petit truc seulement. Bon, quand tu as fini, après, je vais te voir. Voilà ce que ton ami a aimé faire. Vraiment, c'est comme ça. On ne t'a pas envoyé là-bas. Il ne faut pas le diminuer devant son ami. Parce que son ami le respecte beaucoup. Mais si tu prends tous vos secrets pour expliquer au monsieur, ma fille, ce n'est pas bien. S'il n'y a personne pour te donner ces conseils, il faut que moi, je te dise ça. Parce que l'ami de ton mari n'a aucun droit. Il va te recevoir dans un maquis. Vous êtes là, vous parlez de l'autre, de celui que tu vis chez lui. Et lui aussi, toi qui es l'ami du mari aussi, tu écoutes aussi, ah vraiment mon ami, là, vraiment, si c'est comme ça, quand tu dis la vérité, quelle vérité vont lui dire? Donc toi tu viens là, ce n'est pas affaire d'amitié, hein? C'est affaire de chercher femme de ton ami. Quand la femme, elle veut te parler, tu dis bon d'accord, quand mon ami sera là, vraiment on va faire ça à toi. Mais toi seul, tu ne peux pas prendre la femme de ton ami aussi, l'envoyer dans un restaurant, vous parlez de quoi? Parce que tu n'as aucun droit. Et le mari quitte au travail, il ne voit pas sa femme, il fait un pas, il voit que sa femme assise avec toi. Qu'est-ce qui sera ta réaction? C'est pas bien. Quand tu as un mari, il faut le respecter. Quel que soit son caractère, qu'il soit temps, qu'il soit ceci, cela, le respect est mutuel. Il faut le respecter, il va te respecter. Mais tu ne fais pas ça, tout ce qui va se passer, hier soir ici, on était comme ça. Aujourd'hui, là, maintenant, vraiment, il a vu une autre fois, il ne fait pas. Ton ami ne t'a pas demandé. Quand on cause à deux, là, c'est ça qui est bon. Parce que vous les femmes, on ne vous laisse pas petite chance. Hein? Parce que vous-même, vous n'aimez pas quand on dit à une femme que je veux de toi. Quand tu aimes une femme là, elle pense que tu es bête. La femme est maso, elle adore quand on la fatigue. Parce que quand tu dis la vérité à une femme, que ah moi je n'ai rien, voilà le peu que je gagne, vraiment j'ai payé un petit fait tout. Nous, par jour on a 1500, on va faire ça sorte de deux jours. C'est ce que tu as. L'amour n'a pas besoin d'argent. Ils n'ont qu'à t'aimer d'abord, toi-même ta personne. L'argent là, ça vient hein, le temps. Mais non, mes copines quand je m'en vais chez elles là, elles font ça, elles portent ça. Il faut quitter dans tout ça là. Il faut quitter dans tout cela. Regarde ce qui est devant toi, ma fille. Il faut regarder ce qui est devant toi. Hein? Il faut faire comme la femme de Brice. Moi, je l'aime bien, cette dame-là. Quand tu arrives chez elle à la maison, chez Brice, John Brice, quand tu arrives chez elle à la maison, son mari est là, il n'est pas là, il va courir t'accueillir. Ah, ma belle soeur est venue. Ah, ma soeur est venue. Maman, tu vas manger quoi? Ça donne l'envie même de causer. Mais il y a des autres femmes, quand tu arrives, le visage est serré. Parce qu'elles se disent que tu vas venir demander l'argent à son mari. Elle ne veut même pas te voir, mais quand tu es en train de causer avec son mari déjà, madame en boule, quand tu dis tu t'en dis d'accord, bonne route, hein. Bonne route comment? Quelqu'un qui est venu te voir, il faut l'accueillir d'abord. Va directement et puis tu lui dis, ah, mon frère, on peut vous servir quelque chose. Il ne faut pas attendre seulement que l'homme qui va faire le geste. Si on t'a mis, on dit maître de maison, tu es la dame de maison, c'est toi qui dois gérer tout sans ton mari. Il y a des hommes souvent, mais quand ils regardent la femme déjà, elle sait déjà comment elle doit recevoir les visiteurs. Les visiteurs sont des passages. Ils ne sont pas venus pour habiter avec toi. Toi, aujourd'hui, parle mal de ce monsieur. Demain, le travail là. Le travail là, c'est un contrat. Un matin, ça va s'arrêter. Et puis, lui que tu as maltraité chez toi, le voilà, il va venir garer sa voiture. Tu vas dire quoi? Il va dire à son mari, ah, mon mari, ce n'est pas ton ami là. Il dit, oui, c'est moi.
Vous allez où? Et puis tu vas monter. Toi, tu pourras monter. Toi qui ne voulais pas les sentir. Dans ce monde, on doit avoir un bon cœur. On doit accepter tout le monde. On ne doit pas dire que voilà, l'autre là, il va faire ça, celui-là va faire ça. On a quand même les yeux dehors, nous les femmes là. Dehors là, il vous dit qu'il n'y a rien là-bas. La seule là vous dit que dehors là, il n'y a rien dehors. Il n'y a rien dehors. Celle qui vous pousse là, faites comme ça. Moi, dans mon foyer là, chez moi là, c'est moi, mon mari ne peut pas me commander. Toi, tu es qui? Puis on ne peut pas te commander. Tu n'es rien. Tu es une maudite, c'est tout. On ne peut pas te commander comment? Tu vis dans le foyer de quelqu'un et puis toi, tu dis on ne peut pas te commander. Mais si on ne peut pas te commander, il faut rester chez toi. Une femme doit être toujours commandée par un homme. Et c'est la femme n'a pas de décision. Ce que le mari dit là, c'est ce qui reste. C'est comme dans le lit même. Quand ton mari dit aujourd'hui, je vais faire 25 coups, il fait les 25 coups. C'est ce que lui veut faire avec toi. C'est parce qu'il a ton amour. C'est vous-même qui faites que les hommes restent dehors tardivement pour rentrer. Parce qu'il s'est dit, ah si je vais à la maison là, il y aura encore des histoires. L'homme n'est pas né sous l'art. Hein? Il n'est pas né sous l'art. L'homme est venu sur la terre pour s'entendre avec la femme. Parce que l'homme, quand il aime une femme, il aime ça réellement. L'homme ne fait pas semblant d'un amour. C'est nous souvent, on joue le jeu. Ton mari même est couché sur toi, tu dis, il faut faire, tu vas descendre. Depuis là, tu es dessus. Ah bon? C'est qu'on t'a beaucoup dehors. Depuis là, il est dessus. C'est quelle parole ça là? Ouf, tu fais que maintenant, s'il prend une petite femme, il prend une petite go dehors, mon mari maintenant, il a une copine. Mais comment des femmes là, mes enfants, les petits garçons là, vous qui êtes tout mariés là, mais comment des femmes, ces femmes, si elles te fatiguent trop à la maison, prends une copine à côté, elle va se redresser tout de suite. Quand elle va comprendre que ton mari a une go maintenant là, elle va se redresser. Parce qu'elles ne veulent pas qu'on leur parle doucement, leur parle, elles ne comprennent pas. Quand je suis avec mon mari, il ne me respecte plus parce qu'il a vu une autre personne, il ne veut plus manger à la maison. Qu'est-ce que tu as fait? Ton comportement d'avant, si tu suivais ça là, pourquoi il va te laisser? Mais tu ne veux même pas laver son linge. Ses amis, même maintenant, c'est les blanchisseurs qui lavent. Alors qu'il n'y a rien de tel, quand l'homme qui est dehors, qui vient à la maison, il voit sa femme qui est en train d'épiler son foutu. Elle tremble pour son mari. Ah, chérie, n'est pas encore arrivé. Hein. Chérie, voilà ta nourriture. Tu vas te laver. L'homme adore ça. Il est comme. Faut pas dire parce qu'il est vieux, il est avec toi, là, c'est un vieux. Devant une femme, l'homme est toujours bébé. C'est à toi d'entretenir ton mari. Ne donne pas la force au diable de te l'arracher. Le diable, là, c'est les sorcières qui sont dehors, là. Qui ne gagnent pas, on les embrasse une fois chaque année, là. C'est elle. Toi, au moins, tu gagnes quelqu'un. Chaque soir, il bande derrière toi, tu dis pas, eh hey, Dieu merci. Tu mets moi, chaque soir, j'ai que derrière moi. Il y en a, ils ne gagnent même pas. Ils cherchent occasion, ils ne gagnent pas. Il y a des femmes, elles ne gagnent même pas. Donc, si tu es au dehors, tu causes avec elles. À moi, en tout cas, dans ma vie là, l'homme ne peut pas gérer ma vie. Je suis libre de faire ce que tu veux. Quand tu n'es pas marié, tu n'es pas respecté. Il faut avoir tous ces milliards sur la terre. Mais s'il n'y a pas un homme auprès de toi, tu n'es pas respecté. Restez dans un foyer, formez votre foyer. Il n'y a pas de foyer qui est sucré. Tous les foyers sont en mer. Mais quand même, on tient. Parce que quand tes parents vont entendre, ah, elle n'est plus à l'autre là. Oh, le monsieur l'a déposé. Ils sont pris ensemble. Et vous, les parents aussi, quand la femme. Votre fille fait des histoires, qu'elle vient faire chez vous. Ne dites pas, il faut rester ici. Il va venir nous trouver. Il va venir vous trouver comment? Quand la fille quitte son foyer, qu'elle vient, les pauvres parents, je pense que, écoutez-nous, écoutez-moi attentivement, levons-nous. Allons-y voir le fils. Ah, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'aussi il explique pour lui. Mais vous gardez vos filles. Souvent, la fille peut rester avec vous 2 ans sans aller demander. Tant qu'il n'est pas venu, vous aussi, vous ne partez pas là. Pensez que vous aimez votre fille comme ça? Donc, à chaque fois, quand il va prendre un nouveau gars, il a petit truc, vous l'avez gardé 5 ans. Quelque chose ne va pas, allez-y demander. Que votre fille, peut-être, elle n'a pas raison. Elle fait la jalousie, elle vient faire du tapage. Donc, le monsieur, allez-y le voir. Si maintenant, arrivé devant sa porte, il ne rentrait pas. Ah, notre fille avait raison. Mais vous ne faites pas ça. Vous commencez à le traiter comme ça. Ouais, il a raison. Parce que maintenant, il pense que quoi? Nous, on n'a même plus son temps, ma fille, il ne faut plus aller là-bas. Parce que le monsieur n'a plus rien. Mais dans la vie, là, ce n'est pas comme ça. Quand il avait un peu, là, vos dents en bois, là, il vous donnait tout. Il s'occupait de vous. Il vous respectait. Parce que l'homme, quand il est avec une femme, il respecte ses parents. Il préfère respecter ses parents, même les parents de la femme, par rapport à lui-même, ses propres parents. Mais quand son travail s'est tordu un peu, c'est fini. Votre fille ne le respecte pas. Vous aussi, c'est la même chose. Ah, c'est toujours le même type là. Ah, il faut t'asseoir ici. Quelqu'un d'autre va venir te prendre. Toi qui es le beau-père, la belle-mère, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Il n'a qu'à repartir. Demain, ça va se redresser. Dieu n'a jamais oublié ses enfants. Travail là, c'est pas tous les jours ça brille. Il y a des moments c'est dur jusqu'à mais le jour que ça revient là, ce qui était dur là, tout devient propre encore et puis vous prenez la vie en bonne main. Mais à chaque fois quand il y a un petit trou, madame va ramasser les valises, elle s'en va. Et là-bas il y a personne qui l'accompagne, tu fais même pas attention. Dans le foyer même, elle est dans la famille même de ses beaux-parents, elle-même ses propres parents,
Un autre gars va venir la rendre visite. Papa ne parle pas parce que le gars est venu hier avec un poulet pondeuse. On lui a donné avec 10 000 francs. C'est lui maintenant en classe. On ne demande même pas que non, elle est occupée. Vous pensez que c'est bien comme ça? Ne faites pas ça. Si ton beau a déconné, ah mon beau, toi et ta femme, la restez tranquille. Ne faites pas ça. Le père même peut donner conseil aussi. C'est son fils. Quand ta fille marie quelqu'un, l'enfant aussi est pour toi. Donc c'est ce que la seule loi, je voulais vous dire ce soir, que on n'a qu'à quand même s'aimer. Il ne faut pas en faire semblant de regarder l'argent. L'argent, là, c'est bien beau, mais c'est du diable qui est là. Parce que quand l'argent est devant toi, tu es obligé de faire tout, te comporter comme tu veux. Il faut aimer d'abord, naturellement, la personne même qui est avec toi, au lieu de parler d'argent. L'argent vient avec le temps. Personne n'est riche. Il n'y a pas quelqu'un qui est né riche. On apprend à être riche. On n'est pas né riche. On apprend à être riche. Est-ce que tu vois, quelqu'un n'est pas né président, ni ministre, ni tant. Il apprend à être président et il apprend aussi à être riche. Mais si vous dites que bon, parce que maintenant, il ne gagne plus là. La manière que c'est venu, l'argent c'est comme étranger. Hein. Tu ne sais pas le prendre, il déménage. Il va chez le voisin. Parce que toi, tu ne veux pas l'entretenir. Et quand les hommes ont l'argent, les femmes font semblant. Quand tu vois une femme, elle est dans le foyer. Hé, hey, papa, papa, elle est escroc. Papa, où ça? C'est lui qui t'a pris au monde. Quel papa? Hein? Ton mari est ton papa où? Et les enfants, ils vont dire quoi? Il faut dire chérie. Coco, ça c'est le nom. Mais papa, quand tu vois une femme qui dit papa n'a pas encore mangé, tu sais qu'elle reçoit toujours, on lui donne l'argent. Mais quand tu donnes plus d'argent, elle va t'appeler Gaëton ou bien Fito. Elle va dire ton nom vis-à-vis parce que tu ne elle gagne plus. Ne comptez pas sur l'argent de jouer le jeu. Parce que l'homme qui est là aujourd'hui, l'homme peut même. Moi j'ai vu des hommes. Moi j'ai vu des hommes qui ont pris des femmes depuis qu'elles sont au CM2. À l'école, hein, école primaire, le monsieur a tout fait jusqu'à aujourd'hui, la femme est devenue femme des impôts. Elle voit carrément le monsieur. Elle dit, toi, mais tu sais que tu n'es pas de mon genre. Quand tu te regardes là, depuis là, tu m'amènes dans la maison, c'est parce que je ne voulais pas te dire la vérité, mais tu n'es pas de mon genre. Comment toi, comme ça, alors qu'elle a oublié où elle était sur les bancs, le monsieur a pris tout son salaire à s'occuper d'elle, faire tout. Elle s'arrête carrément qu'elle n'est pas de son genre. Ma fille, tout se paye sur la terre. Quand on dit chez Dieu là, viens là-bas. Ce Dieu, c'est ici. Tu fais le mal ici, tu récoltes ça ici. Dieu n'est pas, il est partout. Il n'est pas, en gros, qui allait là-bas, un jour, il a fait réunion avec lui. C'est ici, Dieu paye. Donc, arrêtez de maltraiter les hommes. Arrêtez de les maltraiter. Quand tu es avec un homme comme ça, il est là. Lui, mais quand il ne mange pas, il n'est pas, il veut pas, même si lui, il n'a pas mangé, mais il veut que sa femme mange, il veut qu'elle s'habille. Et quand il est là comme ça, il veut quand même aller avec elle partout. Mais vous, ne faites pas ça. Ton mari, même souvent, il faut laver son sous-corps. Slip qu'il porte, là, que vous appelez caleçon, là. Il faut laver ça. Il faut repasser ça. Il faut classer ses cheveux dans le placard. Quand il rentre, il est content. Sa nourriture, là, il faut suivre ça. Et on ne donne pas tout à la servante. Il faut faire, c'est pour patron, hein. C'est pour temps, hein. D'accord. Si c'est une servante qui est très belle, propre. Elle est servante, mais en bas, n'est pas, en bas aussi, peut servir. Est-ce que vous passez le bois, là? Bois en haut, bois en bas. Ma chérie, si tu sais, elle est mariée bien, bien. Et souvent, quand la servante est là, vous la laissez se coucher. Ne laissez pas coucher les serviettes, les serveuses au salon comme ça. Il y a des chambres. Vous pouvez la mettre au moins avec, dans une chambre quelque part. Mais elle est dehors. Mais c'est un peu un semblant quand même pour dire, pour voir l'heure sur la télévision. Il arrive au salon, ma chérie, la bonne, elle a des baillards. Pini qui est là, il ne comprend pas François. Pini, là, il n'aime pas. C'est la nuit qu'il voit clair. La nuit, quand il va voir Baya là, il va la couiller, tu vas dire non, il soit ma bonne. Il n'est pas pendant que tu es ta bonne. Si là-bas, toi, tu as fermé, bonne, ouvre, on tape sur ça. Mon frère, mon fils, il faut taper bien. Tu la couilles propre. C'est même bonne là qui continue. Ça, c'est un bon service, c'est qu'elle travaille bien. Donc, ne laissez pas les serveuses coucher, prenez les chambres avec des enfants bien. Elle met sa petite chambre, elle est dedans, c'est bon. Mais quand elle est entre les fauteuils, c'est pas joli. Même si c'est pas le mari, ton fils à la maison. Il peut avoir l'envie de partir avec elle, c'est pas du viol. Il peut aller avoir envie de partir avec elle. Vous pensez que Pile la connaît? Pile même là, si toi-même tu te méfies pas, il va venir sur toi. Parce que Pile, lui, il s'en fout. Lui, quand il voit où il a achevé son main, il s'élève. Hein. Pile ne comprend pas français. Il est aveugle. C'est dans la nuit comme ça, lui, ses yeux voient clair. C'est la nuit que Pile voit clair. Sinon, le matin, Pile, il est emballé dans le caleçon jusqu'à. C'est matin, bonheur, la nuit comme ça, vers 20h, quand M. Sahan s'élève, il ouvre là. Pile dit, moi, j'essaie que je vais plus rentrer dans le caleçon ici au dehors. Donc, j'attaque tout ce qui bouge. Donc, vous, les femmes là, suivez la nourriture de vos maris. Les femmes là, écoutez le monsieur. Ce que ton mari te donne, il faut prendre. Si tu as dit jour de fête aujourd'hui, ma chérie,
Viens simplement, allons manger un poisson braisé. Il faut dire Dieu merci. C'est ce qu'il a eu. Il n'y a pas cadeau, c'est cadeau. Que ce soit même un petit morceau de pain qu'on t'a dit, il donne à un bon cœur. Chérie, à midi, là, ce soir, on sort, on va aller faire les 100 pas. Il faut dire tu es content. Mais parce que ta copine a eu ça, tu ne sais pas après combien d'années elle court derrière ça. Et ça fait 10 ans comme ça, elle courait derrière cette robe. Et puis elle a eu ça. Donc toi, tu penses que c'est aujourd'hui qu'elle a eu ça. Et puis tu vas te mettre là pour quand même serrer ton mari pour dire ah, comme celle-là, elle a porté ça, moi aussi, je vais avoir la même chose. Il ne faut pas regarder chez le voisin. Ne regardez pas chez vos voisines et les voisins. Ne les regardez pas. Regardez dans votre maison. Écoutez vos maris là. Écoutez votre mari là. Vous n'écoutez pas ton mari, tu veux faire même chose comme ton mari parce qu'il a une copine. Moi aussi, je peux avoir gars. Parce que ton mari a une copine aussi, tu vas avoir aussi gars. Dans un bateau, il n'y a pas deux capitaines. Si le monsieur a une copine, laisse-le. C'est à toi de changer ton comportement. Peut-être que tu as fait quelque chose qu'il n'a pas appris, qu'il allait prendre une copine. Est-ce que tu vois? Donc toi, tu n'es... Parce que non, maintenant mon mari, maintenant il a changé, il a une copine. Maintenant moi là, comme il a fait ça, moi aussi, j'ai prouvé ça aussi, je vais avoir une copine. Toi, tu peux avoir un seul gars. Lui, il a le droit d'avoir 10 femmes. Il a le droit d'avoir 10 femmes. L'homme, c'est, ça ne fait pas honte pour l'homme. Mais c'est quand on dit, ah, la femme là, elle est mariée, mais elle a des copains. Hein. C'est pas je lui avoir pour ton nom. Il y a des femmes qui font ça aujourd'hui. Elles sont dans le foyer, mais elles se font beaucoup ailleurs. Et demain, quand il y a la maladie qui vient, c'est le pauvre qui est à la maison qui prend les pots cassés. Parce que lui, c'est sa femme, c'est lui qui est connu. Alors qu'il y a les mougouchons qui ne se ressemblent pas. Il y a les pines, il y a deux façons. Il y en a, on te, quand tu les vois, on des radars. Et il y en a, mais quand tu les vois, on les a, on des pines, choses de bois de foutu banane. C'est des vraies pines, il faut t'habituer à ta pine qui est dans la maison. Tu dis, tu connais ça. Tout pine qui est au dehors, qui est attaché dans la chaîne là. Tu ne vois pas dans les caleçons. Tu vois un homme qui t'invite dans un restaurant, il dit mets-toi à l'aise là. C'est qu'il y a pine en bas. Un restaurant, vous mangez, puis il dit mets-toi à l'aise. Il faut manger ton poulet. Tu as récupéré ça sans te rendre compte. Mets-toi à l'aise. Derrière, mets-toi à l'aise, il y a grosse pine. Hein. Donc vous allez là, restez tranquille. Un mari qui se promène trop, il faut lui dire Dieu merci. Pour ne même pas qu'il va avoir un malheur dehors. Le fait qu'il rentre, il est à toi. Quand il est dedans, il est à toi. Il y a des hommes, ils sont dehors. Hein. Mais il pense à la maison, il sait que madame est là-bas avec ses enfants. Moi, je connais un monsieur, quand il vient chez toi comme ça, il dit, ah, fais le colis, je vais envoyer aussi à madame. Mais c'est vous-même qui faites que, souvent, vous, tellement que vous faites des histoires, vous enlevez l'amour même dans le cœur du monsieur. Souvent, même, vous enlevez l'amour dans son cœur. Parce que ce qu'il voulait faire de vous, mais souvent, vous exagérez trop. Hein? Vous êtes là, vous fouillez dans le portable. J'ai vu très chose. Arrêtez de fouiller dans le portable de ton mari. Arrêtez de fouiller. Lui aussi, il va arrêter aussi de fouiller dans ton portable. Chacun a son portable. Mais ce n'est pas toi, tu vas fouiller jusqu'à... En fouillant un jour comme ça, tu vas voir sa pine arrêter devant une femme. Tu vas casser le portable. Même si tu as cassé, il a déjà couillé. Donc, ce n'est même pas la peine de fouiller dans vos portables. Laissez les hommes avec leur portable. Laissez les hommes avec leur portable. Et puis, aimez les amis de vos maris. Ils ont commencé, hein. Ne rentrez pas entre eux pour dire, ah, moi là, ton ami là, je ne le veux pas, je ne veux pas qu'il vienne à la maison. Toi, tu n'as aucun droit de le dire. Tu n'as aucun droit, c'est ton mari qui doit dire, ah, mon ami, moi, dans ces temps-ci là, on ne s'entend pas. Et toi, la femme, tu as dit non, tu es venu déjà me représenter. Il faut les réconcilier. L'amour là, c'est comme ça. Même la langue et les dents, souvent font pas là, mais ils sont tous dans la même, tous allés dans la même bouche là. Donc, vous les femmes là, arrêtez de dire, moi, je ne veux pas de ton ami, il ne me plaît pas. Quand il vient ici, il te prend souvent, tu ne rentres pas tôt. Laisse-les faire leur vie. C'est dans ça que tu les as trouvés. Ce n'est pas à toi de poser des questions qui n'ont qu'à se laisser. Ça ne te regarde même pas. Et quand il a un problème avec toi, à la maison, ce n'est pas affaire de ton ami, de son ami. Tu n'es pas ami à son ami, hein? C'est pour ton mari. Sa vie privée, il ne faut pas prendre pour expliquer ça à son ami. Parce que souvent, c'est gênant. Il a fait des trucs avec toi. Tu t'en versé à son... Est-ce que demain, son ami va le respecter? Il ne va pas le considérer. Parce que souvent, c'est vous, les femmes, là, qui mettent même les amis en palabre. Parce qu'à chaque fois, quand tu vas causer avec son ami, il n'est pas là. Tu lui fais des reproches. Ton ami m'a fait ça. Ceci, cela. Deux fois, trois fois. Mais il va dire, mais ça, ce n'est pas clair. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche entre mon ami et ma femme. À chaque fois, il cause là. Tu vas tirer ton mari, l'œil sur toi, pour croire que s'il y a... Il y a un peu de jalousie. Il va te faire la jalousie parce que tu causes à son ami. Alors toi, tu voulais qu'il donne des conseils à son ami. Il ne faut pas lui expliquer. Vous deux au lit, là.
ça peut passer. Le programme au lit, ça reste vite. L'homme a pitié parce qu'il s'est dit qu'il est né d'une mère. L'homme a beaucoup pitié. Hein? L'homme a beaucoup pitié. Quand l'homme il dit qu'il veut de toi, là, tu vas beau faire le soir jusqu'à la nuit. Quand c'est la nuit seulement, c'est fini. Il va quand même se retrouver. Donc, vous les femmes, on n'est qu'à se faire comprendre. Il ne faut pas avoir obligé quelqu'un à aller au-dessus de ses moyens. Ce qu'il n'en a pas, il ne faut pas le forcer. Parce que l'autre personne a porté ça, il ne faut pas obliger ton mari. Laisse que lui-même, quand il t'offre là, quand l'homme t'offre, il n'y a rien de tel. Arrêtez de déranger la tête de vos copines. Faites la joie. Regarde, Eric Bosango, c'est un gongo du côté de PJ. C'est un jeune, Thierry, il adore tout le monde. Il reçoit tout le monde. Eric reçoit tout le monde. Il a la paix du cœur, il a l'amour de son travail. C'est de ça qu'il s'agit. La gentillesse là, ça se paye, ça se retrouve. Quand tu as un bon cœur, on n'a pas besoin d'aller chez un marabout attaché pour dire non, moi je vais faire ça. Non. L'acte que tu poses là, c'est ce que Dieu te donne comme monnaie. Quand tu reçois tout le monde, tu aimes les gens. Eric, la seule autre te dit toujours merci pour tout ce que tu fais. Quand on reçoit là, c'est très bon. Et aussi à M. Guy Gontran, mon grand frère, merci beaucoup pour vous dire qu'on ne peut pas vous oublier. Parce que le bienfait dans ce monde-là, ça se paye. Ça se paye. Ne vous laissez pas gérer par les femmes. La femme n'a pas de pouvoir sur un homme. C'est l'homme qui doit décider. Et vous, les femmes, c'est que nous, tout le monde travaille. Mais il y a des jours au moins, il y a un samedi que tu n'es pas allé au travail. Pardon, fais à manger pour ton mari. Toi-même, tu prépares, tu déposes devant lui. Ce jour-là, tu prends tout ce qui est dans le placard, tu laves, tu les repasses. Tu verras que lui-même, il est dépassé. Mais ses habits, tu ne touches pas à ça. Sa nourriture aux personnes. Tout est dans la main. Même quand il tape à la porte même, tu es encore couché, c'est la servante qui va l'ouvrir porte là. Ou bien c'est les enfants. Abidjan est grand. Le temps d'ouvrir là, tu ne sais pas qui est derrière lui. Mais cours vite, d'abord tu viens, il rentre. Ah chérie, ah, les emboutiens, il a ta fatigue aujourd'hui. Mais pour vous, ce n'est pas le cas. Quand il rentre seulement, il était entre les jambes des femmes. Tu penses que ce n'est pas tous les hommes qui ont ce temps-là, hein? Les histoires de femmes tournent dans leur tête. Là. Il y en a, ils sont en train de voir comment demain son enfant s'y va devenir. Si lui n'est pas devenu quelqu'un, comment l'enfant qu'il a mis sur la terre, qu'est-ce que l'enfant va devenir? Il court pour son enfant. Il court aussi pour que son enfant soit quelque chose. Mais vous seulement, quand il sort aujourd'hui, il tourne derrière la porte, ah, il allait faire 6 coups. Il vient ici, il venait de faire 5 coups. Que là, vous pensez pour baiser là, c'est facile. C'est les reins. C'est rien. C'est pas facile. Donc si vous toujours gagnez ça cadeau là, chaque matin, vous devez même bien décarter sur le monsieur, même le laver. Parce qu'il y en a même qui ne gagnent même pas, que l'homme n'a qu'à se coucher sur eux. Il ne gagne pas. Il ne gagne pas. Toi, tu es couché là au moins, chaque soir, même s'il n'a pas fait aujourd'hui, mais au moins il fait semblant, au moins il met son pied sur toi, ou bien il fait semblant, il tire un peu ton cassion, vous devez vous tirer. Mais un homme, elle ne gagne même pas. Elles sont couchées là jusqu'à, sont en train de rêver. Quand est-ce que quelqu'un va venir aussi me doigter? Parce qu'il ne gagne plus. Tout le monde connaît, c'est pas tout le monde, on doit t'habiller ici maintenant. Les garçons ont compris. C'est avant, c'était versé. Femme là, vous qui vous habillez, comment vous mettez tous vos fesses là dehors, les baya ici, les collants plein air. Si vous ne vous respectez pas, respectez le pays, respectez le vieux, le papa qui vit avec nous, c'est un grand-père. Respectez le pays qui gère. Arrêtez de vous mettre nu dans les rues, c'est pas bien. Arrêtez de vous mettre nu. Vous mettez nu comme ça, des baya partout, des collants partout. Il y a des femmes qui ont des morceaux de pain. Tu vois, faire ça, il y a un côté qui est dur, l'autre est mou, on ne sait pas si faire ça est mélangé. Elles sont se promettre dans les morceaux de pain. Arrêtez de faire tout ça. Là. Arrêtez de faire tout ça. Là. Respectez la femme. Respectez-nous. Vous avez fait que maintenant, mais l'homme n'a même plus peur de toi. Il vient vers toi comme ça, il ne te passe ce qu'il veut. Parce que tu ne te respectes pas. Mais tu es assis, aujourd'hui, tu es habillé comme ça, tu es assis. Là. L'homme, avant de venir vers toi, il va réfléchir. Ah, cette dame-là, je m'en verrai, je ne sais pas ce qu'elle va me dire. Mais si toi, tu laisses tout aller, mais il s'en fout. Il sait que quand je vais tenter, je vais gagner parce qu'elle est à la recherche de ça. Respectez-nous. On n'a qu'à se respecter. Parce que la femme, c'est de là. Nous, les femmes, nous ne sommes pas des gens qu'on doit, on doit nous voir nus comme ça. Jésus a mis la femme au monde. Vous n'avez pas vu Maman Marie, comment elle est habillée. Elle est toute envoilée. Mais quand même, c'est comme ça qu'elle dit qu'on doit, on doit faire. Quand l'homme veut te prendre, mais il faut porter soutane. Ça n'a qu'à traîner. Si Dieu dit c'est pour toi, là, c'est pour toi. Mais vous, ce n'est pas le cas. Vous êtes là. Vous passez ici, souvent, mais elles sont obligées d'aller vers l'homme. Ah, monsieur, moi, je vais sortir avec toi. Parce qu'elle ne gagne même pas. Tu veux sortir avec quelqu'un, il faut tes mains propres. Tu vas gagner ma fille. Si tu te mets propre, on peut porter des collants, mais avec des robes qui descendent même
qui fait quand tu ne te dessines pas, tu portes une grosse robe dessus. Mais vous portez les petites robes ici, le collant est là, vous êtes dessiné, les baillants traînent là. Ce n'est pas joli, ma fille. Changez-vous, habillez-vous correctement. Tous les hommes sont prêts à se marier. Il n'y a pas un homme qui veut pas se, qui va dire qu'il ne va pas se marier. Mais quand il regarde vos comportements, on vient t'inviter tout de suite. Hein. Elle s'en va dans maquis là, le monsieur assis avec elle. Madame va commander, demoiselle, qu'est-ce que vous prenez? Elle va prendre 20. Et le monsieur, même lui, il prend son coca, il est là, il cause. Mais l'entend, il te regarde. Qu'est-ce que tu vas manger? Hérisson, plat d'hérisson, tu disais combien? C'est 25 000. Hein. Et madame va écraser tous les os là. Tu vois que demain, quand tu l'appelles, mais change de numéro. Parce que là, déjà, tu es parti dans 40 000. Pour un départ déjà. Donc, quand on fait un jour, un mois au monde là, il va garantir ma maison des gens dans ta main. Dès le départ, allez-y, moulou, moulou. Chez toi, la maison, tu manges, il mange à Ekoro. Plagaille 100 francs. Donc quand tu sors dehors, il ne faut pas faire semblant pour dire c'est ce que tu manges. Fais comme d'abord, donne l'envie au monsieur de s'approcher de toi. Tu ne donnes même pas l'envie de s'approcher. Premier jour déjà, tu commandes tout ce que tu ne manges pas d'habitude chez toi. Je vais manger ça, j'adore manger. Ah oui, si tu m'envoies ça, ça va me faire plaisir. Qu'est-ce qui va te faire plaisir? Tu es dans sa poche et il t'appelle même directement, tu invites aussi tes amis. Deux femmes aussi qui sont même, les paquilles là même là, elles-mêmes qui ont gâté le marché là, elles vont venir s'asseoir. Elles vont venir s'asseoir, l'obliger, parce qu'il est obligé sur place, aller faire un dépôt, aller faire retrait. Aller faire retrait parce qu'il a reçu de la visite. Pourtant, ce n'était pas prévu. Mais pour effacer ça, pour effacer toi ta honte, vous trouvez que ah, quand je l'appelle maintenant, il m'a mis sur liste noire. Il va te mettre sur bleu, vert, tout ça, il va te mettre dessus. Liste noire, bleu, vert, tout ça, il va te mettre dessus. Ceux qui connaissent les papiers vont te ménager sur tout. Tu ne sais même plus où tu vas le retrouver. Parce que pour un départ, déjà, il vient, tu appelles toutes tes copines qui boivent jusqu'à. Y a pas, est-ce que quand même, tu ne connais pas dans sa poche? Allons s'asseoir, on va causer un peu au maquis. Ne pas dire que je vais faire anniversaire. Il n'a pas dit ça. Il faut venir pour qu'on va se connaître. Ah, comment on fait pour aller chez toi? C'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous, on t'appelle directement. Vous commandez le gros plat là. Il est là, il te regarde. Et il est obligé, parce qu'il n'a pas assez d'argent sur lui, il est obligé d'aller faire son retrait pour continuer. Il fait ça malgré lui. Mais il faut te dire que tu dis, ah, c'est fini. Hein. Tu pars de noir, il y aura l'issue bleue. Lisse vert, rouge. Rouge même, c'est danger. Tu vas plus le voir. Lisse rouge. Tu vas plus vraiment le voir. Tu vas le voir où c'est encore. Vous aimez trop ça. Vous voyez quelqu'un sur un ancien Mongaou. Ah, le gars, il dit, il est fan de moi. Il dit, c'est ça, on doit se croiser quelque part. Les restaurants, c'est pour causer. On va parler de tout et puis de rien. Mais on n'a pas parlé de s'escroquer. Hein? Et puis en plus, tu ne viens même pas seul. Pour ne même pas avoir tant même d'intimité avec toi. Tu appelles, je te présente, c'est une amie, on est au quartier ensemble. Amie qui est au quartier ensemble, elle là. Elle aussi, on l'appelle. Si elle dit, tu veux prendre quelque chose, elle dit avec plaisir. Elle prend Guinness directement. Toi, tu prends 20, monsieur prend Coca. Au moins, pas une bouteille, hein. Chacun va taper 3-3. C'est très bien. C'est très bien. Vous êtes bien arrivé. C'est bien. Mon fils, il faut mettre l'huile rouge. Là, parce que nous, au moins, ils vont tous se voir. Donc, changer de comportement. C'est ce que je voulais vous dire, pour vous dire qu'on n'est qu'à écouter les hommes. C'est nos papas. Il ne faut pas en va écouter Dieu. Il n'y a rien Dieu, mes filles. Dieu, là, il n'y a rien. Si tu veux suivre Dieu, là, tu vas faire de foyer en foyer. Chacun a son caractère. L'autre a pour lui, l'autre a pour lui. Parce que pour toi, l'autre côté, tu penses que c'est fort. Mais partout, c'est comme ça. Mais ils ne viennent pas prouver ça aux gens. Quand vous voyez souvent, les jeunes sont en bas, ils ne veulent pas rentrer à la maison. C'est pour éviter les histoires. Je vais rentrer encore. On va faire par là. Je préfère aller filmer. Pas mon temps à boire avec mes amis. On va, le temps que j'arrive, elle est couchée un peu. J'ai fini. Dans sa propre maison, même pour sortir, il est obligé de marcher doucement. Il ne faut même pas que tu sentes qu'il est en train de sortir. Ah non, ça, ce n'est pas une vie. Il ne faut pas le rendre malade pour toi, sur ton amour. Il ne faut même pas le rendre malade. Je préfère qu'il soit toujours en vie pour que votre amour, là, même si vous n'êtes plus ensemble, que vous soyez toujours des amis. On se sépare. Puis tous les jours, on se communique. On est des amis parce qu'on s'est connus. Donc, c'est ce que la seule là, je voulais quand même vous proposer ce soir. À tous ceux qui, quand même, qui suivent mes émissions et qui m'écoutent, qui me voient dans la rue, qui me disent vraiment merci. Vous aussi, merci à vous. Bonsoir.